Back to life, back to reality. Si t'as pas compris, ça veut dire retour à la vie, retour à la réalité. Je sais. Ouais, donc les gars, regardez bijoux. C'est pas l'anglais. Bien soigné. Tourne ta tête un peu. Non. Bien. Mais, tu montres ta coupe, non? C'est la rentrée. Donc les gars, ouais, malheureusement, je comptais me réveiller avant bijoux. J'ai mis mon alarme pour me réveiller avant bijoux, mais c'est si réveillé avant moi. Réveillé. Donc mon alarme a sonné plus que toi. Ouais. Comment? Je sais pas comment tu te réveilles pas à ton alarme. Oh, j'étais trop fatigué. Oh, t'as vu à quelle heure j'ai dormi hier? T'as dormi à quelle heure? Genre 2h du matin. Et j'ai mis mon alarme pour 6h40 pour me réveiller avant bijoux, mais je ne me suis pas réveillé avant lui. C'est lui qui s'est réveillé avant moi. Donc c'est ça les gars, c'est la rentrée aujourd'hui. On est quel jour? 29 août les gars, on est le 29 août aujourd'hui. C'est la rentrée. Bien soigné. Et puis t'as dit que t'es fatigué? Ouais. C'est toujours comme ça avec la rentrée, bro. Tu te réveilles et puis t'es... J'ai dormi à minuit au lieu que je me suis mis au lit à 22h. Toujours comme ça, moi aussi c'est comme ça quand je commençais l'école, genre t'es trop excité, donc là dans ton cerveau on dirait qu'il y a une espèce d'excitation qui t'empêche de dormir. J'arrivais juste pas à dormir. Justement, il y a une petite excitation, genre tu commences la rentrée, bien soigné. Moi aussi, bien soigné. Bref, t'as quoi à dire pour ceux qui commencent l'école aujourd'hui? Bonne rentrée. Et puis quoi? Bonne étude. You know who did? God did. Mais il est 7h24, à quelle heure tu dois être là-bas? 7h45. 7h35. Pourquoi tu me réveilles aussi tôt alors? 45, bon, il est 24. Pourquoi t'es pressé? C'est pas le team. Toujours quand ça rentre, on est pressé. Il veut se presser, il veut se dépêcher pour voir tout le monde, mes amis. Dis donc, on peut y aller? Bon, les gars, on va aller au team. Toi, tu vas prendre quoi, sinon? Moi, je sais pas ce que je vais prendre. Moi, dans ma tête, je suis encore endormi, tu sais. Moi, je suis un peu encore endormi, là. Yo. Est-ce que je peux mettre la caméra à droite? Toujours... Mais attends, je vois rien, le soleil est là! Le soleil est là, ça éblouit mes yeux! Mais il est là pour moi, regarde-moi! Mets la cam sur moi, s'il te plaît! Le soleil. Ah oh, non, on va pas bien. C'est bon comme ça, est-ce que c'est droit? Oui, c'est droit! Ouais, regarde comme il est là sur moi, beau! Oh, en plus, il fait frais aujourd'hui! Après, je suis vraiment là, les gars, je comprends pas pourquoi il fait frais aujourd'hui! Non, je pense que c'est le matin, après, il va faire genre 22 degrés, il va faire beau! Ah, il va faire beau aujourd'hui? Ouais, comme normal! 22? Ouais! Tu comprends pas? Juste un. Ouais, bonjour! Tu dis, c'est pas un rap ou quoi? Vous hein? M'entendez? Ouais, bonjour, ouais, attendez une seconde. Tu veux quoi? On peut prendre un petit matin au bacon. Ouais, est-ce qu'on peut avoir un petit matin au bacon? Quel pain? Pain. De quel pain vous voulez, monsieur? Comment ça s'appelle? Attendez. Quel pain? Je pense que c'est pain anglais. Pain anglais. Ensuite? Quelle boisson je peux prendre? Quelle boisson? Ça va être tout. Pas de boisson? Ok. Est-ce que vous avez le croissant au Nutella? Oui. Ok, je vais en prendre un. Oh yo, il faut que je ferme la fenêtre là. On a mis le chauffage, les gars. Ça fait un bain qu'on l'a pas utilisé, hein? Ouais, parce que quand on rentrait dans la voiture, il faisait toujours chaud. Il faisait toujours chaud. Maintenant, il fait frais. Oh, il fait froid dehors là. On est entré dans la voiture, oui, il a commencé à faire froid. Donc là, on a mis du chauffage là. On est bien soigné à l'intérieur là. Back to life, back to reality. J'ai dormi à 1h du matin, oui. Parce qu'il n'arrivait pas à dormir. En plus, je l'ai vu. J'étais même pas sur mon téléphone, j'essayais de jouer, j'ai levé mes pieds. Je faisais n'importe quoi pour m'endormir, ça marchait pas. Bro. J'ai changé de pose genre 50 fois. Yo. C'est tellement difficile de dormir. C'est toujours comme ça, ouais, j'ai eu de l'expérience. Écris dans les commentaires. Je me suis mis au lit à 22h. C'est la première fois de l'été que je me mettais au lit à 22h. Combien? 17 et 80. Parfait. 17 balles, frère. Donc, les gars. Tous ceux qui ont commencé la rentrée, je veux que vous écriviez dans les commentaires à quelle heure vous êtes réveillé pour votre rentrée. Donc, je veux que dans les commentaires, on voit des heures random. Quelqu'un qui va revenir sur la vidéo pour la première fois, il ne va pas comprendre. Donc, pourquoi tout le monde écrit 7h20? Pourquoi tout le monde écrit... Ah non! À quelle heure vous êtes réveillé ou à quelle heure vous êtes dormi? Qu'est-ce que j'ai dit même? Donc, moi, je me mélange. Toi, t'as dit réveillé. Ok. Réveiller et dormir. À quelle heure? Ouais, à quelle heure vous avez dormi et à quelle heure vous êtes réveillé? Quelqu'un qui vient sur la vidéo pour la première fois, randomly, il va voir dans les commentaires écrit 2h du matin. 7h du matin, 1h du matin, 8h du matin. Merci. Et au moins après ça, je rentre à la maison, ma vie. Dormir. C'est bon? Merci. Bonne journée à vous aussi. C'est bon? Vous avez des bails similaires comme ça à l'école, hein? Ouais. Mais ça coûte plus cher. Ouais. Mais je me rappelle moi aussi, bon, quand j'étais au secondaire, ils vendaient tellement des. Ils vendaient des bons bagels là. J'achetais à chaque matin avec mes amis et tout. Ah, le secondaire. Profitez-en, hein, ceux qui sont au secondaire ou au primaire. Profitez-en.
Vous allez bientôt grandir là. 95% des personnes avec qui vous parlez, vous n'allez plus les parler après. Même pas. 96% des gens avec qui vous parlez au secondaire, vous n'allez plus les parler après. Tu auras seulement 4 personnes. Vas-y, si tu étais un sportif ou quoi, peut-être tu en auras 6. Mais tu n'auras vraiment pas beaucoup de personnes avec qui tu vas parler après le secondaire ou le primaire. Donc profitez-en actuellement de vos temps au secondaire là. Vous allez aller à l'école, vous allez voir vos amis, vos anciens amis. Il y aura des nouveaux, des nouvelles aussi. Bon, on se retrouve à l'école de Bijou là. Back to life. Pas de m'aider s'il vous plaît. Oh, t'es tôt, André, y a personne. Oh, t'es arrivé. C'est parce que c'est la rentrée. J'ai le sac de bijoux ici. Oh. Mais comment ça va faire tu pour voir là. Devant l'école. Pourquoi? Non, je viens avec toi, frère. Non. Je viens avec toi. Non. Ciao. Tu bosses. Bijou, tu veux pas que je vienne avec toi. Tu bosses. Je vais rentrer même dans l'école avec toi. Non, je vais aller devant ton casier avec toi même. Yo, tu veux dire alerte noire. Alerte noire. Non. Ciao, bro. Yo. Non, yo, okay, tu peux passer mon sac. Bye, je viens. Bonne journée. Tu vas vraiment laisser. Je t'aime. Hein? Bye, merci de m'avoir accompagné. Tu peux venir avec toi? Non, je peux venir avec toi? Yo, bye. Yo, bye. Hein? Bye. Bonne journée. Hein. Ok, je te laisse alors? Ouais, laisse-moi. Non, ah, je peux venir avec toi un peu? Non. Juste, je peux avancer même si tu veux, avec toi. Tu me laisseras à l'arrêt. À l'arrêt? Ouais. Je me casse? Ouais. Ok, pas de soucis. Mais je peux pas rentrer dans l'école non, avec toi? Non. Il y a des limites. Ouais. Ok. Je suis venu, hein? Tu peux te faire un bisou devant non, tout le monde? Non. Un câlin devant non, tout le non, monde? Non. Oh. Quand toi, il y avait tout le monde dans ton école, là, tu voulais pas me faire des câlins, non? Ok. On va chinois? Hein? On va continuer, un peu. Chinois! Ouh, c'est la rentrée, bon, il va commencer l'école. Non. Faut te faire un câlin. Non. T'as une neuf ici ou quoi? Neuf. Bisous. Non, non. Mon je fils. Mon... C'est mon fils. Okay. C'est mon enfant. Yo, yo. Je viens avec toi, bon. Non. Juste un peu là. Yo, vas-y là. Bisous. Yeah. Bon, bah, bisous. Ouais, bonjour. Yeah, je peux venir avec toi? Non. Hein? Bisous. Ok, regarde ça. Non. Je peux venir avec toi ou pas? Non. Bon, ouais, bye. Bye. Ouais. Donc, je veux pas que je l'accompagne. Je vais le laisser là-bas alors. Et puis, ouais, on se casse, hein, les gars. Je vais pas aller plus loin là. Il faut pas que je l'accompagne jusqu'à l'intérieur là. Il a ses limites, tu vois, il a ses limites. On va respecter ses limites. On va pas aller plus loin. Bon, les gars, je suis de retour à la voiture. On est vraiment arrivé devant l'école et il a dit, Junior, tu peux retourner. Ouais, bonne rentrée à tous ceux qui commencent l'école. Hein. Bonne rentrée à vous tous. Écoutez bien les professeurs. Écoutez les enseignants, ne lisez pas trop. Niaiser de temps en temps, mais tu vois, il doit avoir un yin et un yang. Il faut qu'il y ait une balance. Donc, écoutez à l'école, comme ça, là, l'école sera facile pour vous et vous pouvez bien vous amuser à côté. Mais si vous n'écoutez pas, l'école va être dure pour vous. Et vous aurez beaucoup d'études à faire parce que vous n'écoutez pas à l'école. Là, il est 7h50, là. Putain de merde, je me suis réveillé tellement tôt. Là, on est le 29 août, 7h50. Je vais sortir cette vidéo-là aujourd'hui. On est le 29 août aujourd'hui, je vais la sortir aujourd'hui. Et puis, les gars, si on arrive à atteindre 375 likes, je vais faire une vidéo où je vais à l'école de bijoux. Là, je sens qu'il va être content, hein. Je sens qu'il sera content, frère. Je vais à son école et je marche dans son école et comme je vais le voir et tout. Mais je vais essayer de préparer ça à l'avance parce que moi, si j'allais à cette école-là auparavant, donc là, je pourrais demander à quelques enseignants que je connaissais, que j'avais avant, si je peux aller dans l'école, tu vois, pendant quelques minutes pour pouvoir en même temps voir bijoux, tu vois. Je vais pas rester là toute la journée, quoi. Ça se fait pas. Ça peut paraître dangereux, tu vois. Donc, c'est ça, les gars. 375 likes et je vais dans l'école de bijoux. 375 likes, je vais visiter Bijou dans son école. Moi, j'ai encore ma bouffe là. Oh, je vais bien manger à la maison. Bien manger.